Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Le gouvernement togolais a émis une alerte concernant la route nationale numéro 17 en raison des récentes pluies diluviennes dans la plaine de Loti. Nous y reviendrons. Et puis à l'international, l'actualité nous conduit en République démocratique du Congo où un drame s'est produit dans un centre pénitentiaire faisant au moins 129 morts. Les précisions à suivre dans quelques instants. Nous amorçons ce journal avec cette sonnette d'alarme du gouvernement sur la route nationale numéro 17. Le gouvernement togolais a émis une alerte concernant la route nationale numéro 17 en raison des récentes pluies diluviennes dans la plaine de Loti. Le tronçon Takmama-Nali est particulièrement affecté avec une partie de la route maintenant submersible en raison des crues importantes. Les intempéries ont provoqué une montée des eaux, rendant ainsi la circulation sur ce segment dangereuse. Les ministres des Travaux publics, des Transports et de la Sécurité ont appelé à une vigilance accrue. Ils recommandent de réduire la vitesse, de respecter les panneaux d'avertissement et de ne pas traverser les zones inondées. Les usagers sont donc invités à chercher des itinéraires alternatifs, si possible. Par ailleurs, le gouvernement assure que la sécurité est une priorité et que des mesures seront prises pour rétablir la normalité dès que les conditions le permettront. Et puis le ministère de la Sécurité appelle à la vigilance face à la montée des eaux sur la côte togolaise qui fera une montée inquiétante des eaux de la mer courant le mois de septembre-octobre, pouvant causer des inondations et des dégâts. Ces perturbations inhabituelles de la mer sont susceptibles d'entraîner diverses conséquences, notamment des submersions marines, c'est-à-dire des inondations rapides, avec des impacts sur les riverains du littoral et leurs biens. Le ministre invite donc la population à éviter les baignades et promenades sur la côte, ainsi que toute activité à proximité immédiate de la mer. Il exhorte en plus les autorités des villes et des localités côtière et les populations à faire preuve de prudence et de vigilance. Intéressons-nous à la religion. À présent, le Seigneur a encore donné rendez-vous à ses bien-aimés ce dimanche 1er septembre 2024 au temple de Nazareth d'Agwe Anokui Maulolo. Un moment de rappel à l'ordre pour avoir gratuitement les privilèges du Père Céleste selon le pasteur de la localité. Le compte rendu dans cet élément. Je suis enfant de Dieu, quelle grâce! Tiré de Jean chapitre 1 verset 11 à 13, tel est le thème du culte de ce dimanche 1er septembre 2024, ici à l'église des Assemblées de Dieu Temple de Nazareth d'Agwe Anokui Maulolo, conduit par le pasteur Kossi Shalom Agbo, qui nous livre sa source d'inspiration. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs d'entre nous qui viennent à l'église sont dans l'église, mais n'arrivent pas à se considérer comme des enfants de Dieu. Alors que la Bible dit, ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, durant cette prédication, j'essaie de leur rappeler leur droit, c'est-à-dire leur autorité d'être enfants de Dieu et ce qui en découle quand on est enfant de Dieu. Les fidèles ayant participé à ce culte repartent beaucoup plus ressourcés. Autrefois, nous étions dans l'ignorance. Nous ne savons pas que nous avons un Père Céleste qui prend soin de nous et nous sommes bénis et nous remercions Dieu d'avoir utilisé son serviteur pour que nous puissions savoir de plus de quoi nous bénéficions étant chrétiens, étant enfants de Dieu. Pour les absents du jour, un message leur est adressé. Nous prions que le Seigneur puisse leur transmettre ce message, que l'Esprit de Dieu puisse les aider à se reconcilier comme ils sont enfants de Dieu et à ne pas errer dans le monde. Ce que nous avons bénéficié aujourd'hui, personne ne peut l'évaluer, sauf soi-même, puisque nous avons bénéficié de ces conseils, nous avons été richement nourris spirituellement
et gaillarder encore une fois de plus. Le Seigneur est notre Père et il nous a créés à son image. Il est donc important de suivre les voies de Dieu pour hériter le royaume céleste. Quelle est la réelle définition de la détermination? Quels sont ses attributs? Pourquoi un enfant de Dieu doit cultiver cette valeur? Telles sont autant les questions auxquelles le berger de l'Église des Assemblées de Dieu de Beaugou Centre a répondu ce dimanche. Les précisions dans cet élément de Mabel Fiagnon. La persévérance et la détermination sont quelques clés du succès. Ici à l'Église des Assemblées de Dieu de Beaugou Centre, il était question d'inviter ses fidèles à cultiver ces valeurs dans leur vie. Pour ce faire, des exemples ont été tirés de la Bible. Étant un croyant, moi je vois qu'un chrétien ne peut pas dire qu'il est fatigué. Un chrétien ne peut pas dire que le temps là, ça suffit. Il faut qu'un chrétien puisse aller de l'avant, chercher Dieu jour après jour, pour que, à la fin, que la réussite lui soit accordée. Et en troisième position, ça nous a parlé de la femme qui perdait le sang. Cette femme a pris des années. Il ne savait pas quoi faire. Il est parti dans les lieux des hôpitaux, elle a cherché guérison, elle n'avait pas eu. Mais un jour à l'autre, quand il a senti que Jésus passait, c'était dans une foule. Mais la femme, elle a fait tout jusqu'à chercher à attraper le manteau de Jésus. Donc c'était une énorme foi qui poussait la dame de chercher Jésus. Et la dame avait la foi, elle savait, elle avait pleinement la croyance que en cherchant Jésus, elle aura la guérison. Le choix de ce sujet est parti d'un constat bien précis. Et depuis que j'ai commencé par réfléchir à ce thème, ça a duré parce qu'en voyant ce qui se passe de nos jours, que ce soit dans la vie des serviteurs de Dieu, que ce soit dans la vie de leurs collaborateurs jusqu'aux membres, nous voyons qu'il y a beaucoup de manque de détermination dans nos décisions. Ça fait que les gens font toujours du va-et-vient. Alors que s'il y a la détermination dans nos décisions, le chrétien n'a pas besoin de faire va-et-vient. Et je sais que ce message fera quelque chose dans ma vie et dans la vie de quelqu'un également. La détermination est un état d'esprit qui nous pousse à rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque la tentation de renoncer se présente. Seule, la parole de Dieu peut nous aider à y arriver. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps? Le berger des églises des Assemblées de Dieu de Kara Tomde, temple à Sinaï, a rassuré ses membres que le chrétien est éprouvé dans sa marche chrétienne, mais il en ressort toujours vainqueur. C'était autour du thème « Chrétien, toute chose concourt à ton bien » tiré de Romains 28. Marie-Louise Amouzou nous en dit plus. Kara Tomde, localité située au soleil levant de Kara, abrite l'église des assemblées de Dieu dénommée Temple Sinaï. Ce dimanche, les fidèles ont bénéficié d'un culte chaleureux défini en chants chorales, louanges, adorations et de messages. Le message de circonstance eut pour thème « Chrétien, toute chose concourt pour ton bien » tiré de Romains 8, 28. Par ce message, le révérend Dogo entend rassurer ses fidèles de continuer la marche chrétienne, quelles que soient les épreuves ou défis dont ils sont confrontés. Chrétien, toutes choses concourent pour ton bien. Cela est tiré du livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Et ce message nous interpelle tous à comprendre qu'un vrai chrétien,
né de nouveau, qui est dans le plan du Seigneur, que tout ce qu'il arrive, toute situation qu'il traverse, qu'il comprenne que c'est avec Dieu qu'il traverse cette situation. Que tout le peuple sache que nous sommes rassurés de tous côtés. Avec Dieu, nous remportons toujours la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'il persévère avec Dieu dans toute situation et à la fin, la gloire de Dieu se manifestera. Les fidèles, eux, repartent rassurés qu'il n'y a de vrais chrétiens qui soient exemptés de souffrances ni d'épreuves dans son parcours et que les difficultés actuelles n'ont rien à comparer à la gloire future. Au reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Celui qui est chrétien vraiment. Et donc, si tu vis une situation en tant que chrétien qui croit réellement en Christ, sache que c'est pour ton bien. Frères et sœurs chrétiens, soyons vigilants et redoublons d'efforts, car si le monde s'oppose à nous, notre Seigneur a connu plus d'opposition. Mais sachant que notre Seigneur est dans le combat, ne dit-il pas, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Ésaïe 4, verset 11. Hors de nos frontières, l'actualité nous conduit en République démocratique du Congo. Au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balle, dans la tentative d'évasion survenue dans la nuit de dimanche à lundi, dans la plus grande prison de la République démocratique du Congo à Kinshasa, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Mardi dernier, le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle après sommation, a indiqué Jack à Chabani dans une déclaration vidéo transmise à la presse, faisant également état de 59 blessés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est sur ce verset biblique tiré de Romains 8, le verset 28, que je vous souhaite une excellente soirée.